Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique, qui fait un petit peu chaud. Cette fois, comme je vous ai dit dans mon vlog d'hier, nous allons faire quelque chose de vraiment spécial. Nous allons revisiter la technique faite avec du bicarbonate de soude. Écoutez, bicarbonate de soude. Ce qui va être intéressant, par contre, cette fois-ci, c'est de un, nous allons mélanger notre acrylique, oui, avec de l'eau pour le diluer, mais par la suite, nous allons faire une pâte avec le bicarbonate de soude. Nous allons en mettre jusqu'à temps qu'on ait une pâte qui n'est pas trop consistante, mais on va faire une couleur de fond, on va faire trois couleurs, on va en faire une de fond qui va être un petit peu plus liquide, puis les deux autres un petit peu plus pâteuses. On va faire un mélange parce que par la suite, une fois que nous allons faire notre acrylique, la préparer ainsi, nous allons par la suite vaporiser un mélange que nous allons faire au préalable de vinaigre blanc et un petit peu d'alcool à friction qu'on appelle nous ici, ou du isopropolique. Hein, vous savez c'est quoi là? Nous on appelle ça ici simplement de l'alcool à friction. Alors vous voyez, on va en mettre, écoutez, je vous dirai, pour environ... une petite quantité, comme vous allez voir dans mon vaporisateur, on met seulement qu'une cuillère à soupe, l'équivalent d'une cuillère à soupe d'alcool à friction. Et puis après, on va vaporiser par-dessus notre acrylique qui va être déjà mis sur notre canevas. Alors, on va voir ce que ça donne, puis on revient pour le mot de la fin. On y va!
Bon, écoutez, le résultat est très étrange. Mais on peut dire que c'est un résultat vraiment unique. Hein? Oui, évidemment, notre critique va gonfler. Là, au moment où je vous parle, je ne le vois pas tellement parce que je viens de le faire, mais déjà, ça gonfle un petit peu. La seule chose que j'hésite un peu, j'ai peur, je crois que j'ai trop mis de mon mélange de vinaigre dessus. Parce que c'est un petit peu inondé à certains endroits, puis je crois que ça peut empêcher la réaction. J'ai brûlé d'un certain... Comme vous avez vu, j'ai juste passé le chalumeau dans un coin pour voir s'il y aurait une incidence sur le rendu. Mais pour l'instant, je n'en vois pas, si ce n'est peut-être que j'ai peut-être éliminé un petit peu de vinaigre blanc. J'espère, parce que malheureusement, comme je vous dis, je crois que j'ai abusé un petit peu de mon mélange de vinaigre. Mais, vous savez, en fait, comme d'habitude, je mets tout le temps trop de quelque chose, mais je crois que le rendu est bien. Je crois que c'est vraiment sortir de notre zone de confort. Puis même, je suis obligé de vous dire que je crois que c'est vraiment... aller hors sentier avec cette forme d'art qui est le coulage acrylique. Je crois que juste le fait de nous donner certains un rendu qu'avec des montagnes, je trouve ça vraiment intéressant. Je crois que, encore une fois, peut-être nous aurions pu y aller avec un petit peu moins de notre mélange de vinaigre. Peut-être que je resserrerai une autre fois, mais juste avec du vinaigre, mais très peu. Très, très peu. Pas du fameux de l'alcool à friction. Je crois que j'en mettrai pas. Parce que l'alcool à friction, en fin de compte, ce que ça nous donnait, c'est des cellules. Peut-être que ça a eu une réaction aussi, surtout sur le verre, vous allez remarquer que il y a des tentacules qui se forment un petit peu autour de notre couleur principale. Je crois que ça peut être intéressant aussi. Écoutez, c'est à voir, c'est à juger, puis comme on dit toujours, c'est subjectif. Quoi qu'il en soit, je crois que malgré tout, c'est à essayer. On doit de le faire, parce que c'est vraiment sortir, comme j'ai dit, des sentiers, c'est vraiment quelque chose qui... Je crois que en coulage acrylique, c'est assez unique de donner du relief à notre toit. Je trouve ça très, très intéressant. J'ai toujours aimé ça. Je crois que j'aime mieux nos toiles finies en coulage acrylique avec du relief qu'avec des cellules. Encore une fois, c'est une question de vue. Écoutez, j'espère que vous allez l'essayer. J'espère surtout que vous avez apprécié. Mais faut-il encore l'essayer pour l'apprécier encore plus? Parce que, comme je vous dis, encore une fois, c'est subjectif. Moi, pour moi, je préfère les toiles avec un certain relief. Je trouve que ça donne une dimension qui est presque du 3D. Je trouve que ça donne une vie, en quelque part, à notre travail, à notre rendu. Je trouve ça toujours... c'est pas intéressant. Alors écoutez, encore une fois, j'espère que vous allez l'essayer. Comme toujours, s'il vous plaît, joignez-vous à nous sur Instagram et sur Facebook. C'est toujours intéressant de partager sur une base journalière ou au minimum hebdomadaire. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. À vous. Bye.